Comment on explique qu'au Bénin, il y a trop d'églises? C'est parce que le Bénin est rempli de pécheurs? Non, ce n'est pas que le Bénin est rempli de pécheurs. C'est qu'il n'y a pas des règles de réglementation, à ce niveau-là. Tout le monde soulève Idris Christ en église, tout le monde cherche l'argent. Ce n'est pas que c'est les vraies églises qui ont dit bon, on va à l'église pour prier Dieu. C'est pour faire commerce que les non, gens. Non, pour toi, c'est commerce. Comment on explique qu'il y a beaucoup d'églises au Bénin? Et c'est dit dans la Bible. À la dernière heure, partout, par-ci, par-là, on va trouver des églises. Même dans les centres couchés, on va trouver des églises. Donc nous sommes à la dernière heure. Vous savez, l'église, bon, que les promoteurs d'église m'en excusent, hein, l'église est une nouvelle filière pour se tirer d'affaires. Vous savez qu'à l'église, on donne de l'argent, on fait des quêtes et autres. Comment ça se gère, Jonas? Parce que dans les églises, on dit il y a quête pour garçons qui cherchent femmes, il y a quête pour femmes vilaines. Ah bon, et là, tu dois augmenter ton quota. C'est ce que vous voulez dire. Si c'est ça, donc comprenez que les églises soient nombreuses. Qu'est-ce qui explique tant d'églises dans notre beau pays, le Bénin? Il y a trop d'églises. Église à gauche, église à droite, église dans tous les coins et recoins. Qu'est-ce qui explique ça? Personne ne sait plus où aller. En tout cas, bon, on se jette seulement dans les églises. Ce sont les églises-là qui vont, ça veut dire, nous sortir des problèmes qui nous entourent.